Sainte-Marie-la-Grand-Grange, une première. Épanouissement. Sérieux. Une surprise. Agréable, je dirais. Une agréable surprise, puisque je venais pas d'ici et je m'attendais pas à ça en venant ici. Bon choix, quoi. Familial. Épanouissement. La bienveillance. Sécurité. Grand. Ouvert. Qualité. Encadrement. Apprendre. Enrichissant. Bien-être. Bonheur. Accompagnement. Parce qu'il y a de la verdure, il y a des gens sympas. Parce que c'est un bon établissement qui permet à chacun de grandir, j'ai envie de dire, à son allure. Et je trouve qu'on est vraiment entourés et ils nous boostent, on va dire. Ils nous aident à avancer, vraiment. Ouais, ils nous considèrent vraiment comme des lycéens et pas comme des collégiens, donc ça nous met en valeur et ça nous met en confiance aussi. Ce qui fait la particularité peut-être de nos élèves et ce que l'on leur propose, c'est une vraie ouverture et une ouverture complète. Nous, notre souci, c'est pas de former uniquement des élèves d'un point de vue académique, mais vraiment de former des hommes et des femmes pour demain. Je suis membre du Club Éco-Citoyen, du Parcours Magis, organisé par Monsieur Bégon, qui est lié à l'oralité. Je fais aussi l'option art plastique, l'option droit. Enfin, en fait, Sainte-Marie, c'est vraiment un endroit où chacun peut trouver sa place et s'épanouir. On a vraiment beaucoup d'espace extérieur. Il y a beaucoup de tables dehors et c'est très agréable d'y manger quand il fait beau. Sainte-Marie, c'est grand et puis on a des grands espaces, mais c'est petit aussi parce que, surtout au lycée, on n'est que environ 4 classes de chaque niveau. C'est un lycée à taille humaine. Ça reste un petit lycée, donc les profs, je pense, sont plus accessibles. Il y a vraiment cet accompagnement des adultes auprès des élèves. On est accompagné, oui, mais on est quand même autonome. C'est un juste milieu, je pense. Ça m'a aidé à être plus cadré, à donner le meilleur de moi-même. Il y a l'option maths complémentaire qui est dès la seconde, qui est nulle part en France. Il y a le snack déjà ? Je répondrais un environnement. Ici, c'est un lieu qui ne laisse pas indifférent. On a une âme, voilà. Je crois que Sainte-Marie est un lycée qui a une âme. Tout le monde est bienveillant, en fait, envers tout le monde. Il y a très peu de jugements. Le pôle de l'oralité, c'est une des spécificités de Sainte-Marie et on ne le trouve nulle part ailleurs. L'objectif est de former l'ensemble des élèves de seconde à la prise de parole en public. Et c'est vraiment un plus, ça nous aide à mieux nous exprimer. Pour savoir gagner également en confiance en soi, en gestion des émotions et notamment du stress. Mais je pense que faire ça, ça m'a aidé à, ouais, à prendre la parole en public. Et surtout, de préparer l'épreuve de Parcoursup. Parce que c'est une épreuve, Parcoursup, il faut le savoir. Et donc, on prépare les élèves à cette sélection pour qu'ils la réussissent. À force de prendre la parole, etc., on devient plus à l'aise vis-à-vis de ça. Et on en voit vraiment les bénéfices dans nos cours également. Moi, j'enseigne l'anglais, donc je me rends compte que les élèves sont un peu plus à l'aise au fur et à mesure de l'année scolaire. Alors, l'ouverture internationale, ça permet à des jeunes de partir vivre plusieurs semaines, plusieurs mois à l'étranger. L'idée, c'est linguistique en partie, mais pas que, puisque c'est aussi l'ouverture vers une autre culture. Moi, j'ai reçu donc un correspondant irlandais pendant un mois et demi, et ça a été super. Je suis parti au Canada, donc, et c'était vraiment super intéressant. La confiance en soi, ça passe aussi par des activités comme la chorale. Quand on fait les solos, bah ouais, c'est super impressionnant. Par exemple, en début d'année, on a pu faire, c'était un café philo. Ça nous permettait de pouvoir débattre. Pour ma part, j'organise un projet théâtre. Je pense que le projet théâtre, et ça aussi, ça nous a aussi aidé à nous resserrer, à nous souder, à apprendre à travailler en équipe. On a depuis quelques années mis en place un petit dispositif qu'on appelle « Je suis venu vous dire ». C'est la possibilité pour les élèves de passer un oral avec trois personnes complètement étrangères à l'établissement sur un sujet qu'ils ont décidé eux-mêmes. Ils viennent parler de leur passion. Je fais partie du parcours Magis et aussi de l'art plastique. Et c'est deux cours qui nous permettent de mettre des mots sur ce qu'on ressent ou de dessiner ce qu'on ressent, d'exprimer ce qu'on ressent vraiment. Magis, ça veut dire mieux en latin. C'est-à-dire qu'on va nous amener les élèves vers un mieux, vers un meilleur. C'est ouvert à tout le monde à partir du moment où peut-être on se donne la possibilité et l'envie de faire quelque chose. Il y a une heure d'oralité et puis à côté, un certain nombre de connaissances qui vont leur être distribuées à l'occasion de projets qu'ils vont mener d'une manière transdisciplinaire. Une heure de cours d'oralité plus une heure de cours transdisciplinaires dans une dynamique par projet afin d'enrichir le CV, de favoriser l'orientation de l'élève
et également de lui permettre de réussir les fameuses épreuves orales du bac, oral de français, coefficient 5 en première, grand oral du bac, coefficient 10 en terminale. C'est un lycée qui accueille tout le monde, qu'il soit catho ou non. La particularité d'un lycée catholique, c'est le fait d'avoir la pastorale. Où on va pouvoir échanger un peu sur tout, pas que sur la religion, où c'est vachement ouvert. On a une chapelle, tout le monde peut y aller à n'importe quel moment si on a besoin. C'est une façon de porter des valeurs, de les emmener vers l'engagement. On peut s'engager dans plusieurs associations. Moi, je suis dans le club éco-citoyen. On a mis en place un tri sélectif. On a même fait un compost. On peut aussi s'engager dans d'autres associations comme, par exemple, l'association Sourire de Loupio. Cette association, elle a été fondée par des lycéens il y a quelques années. Et en fait, on leur demande de s'engager pour récolter des fonds qui vont servir à venir en aide aux enfants népalais. Si on parle d'engagement dans le travail, oui, on les incite à s'engager dans le travail, mais on les incite aussi à s'engager en tant que citoyens, puisque notamment sur l'année de première, il y a le PASS qui est proposé. Le PASS, projet d'action sociale, c'est aller dans une association, donner de son temps. Moi, personnellement, je suis allé aider des élèves en ULIS. Pour leurs devoirs. Je suis allé en maison de retraite pendant une semaine. Il y a une personne âgée que j'avais vue une fois dans la semaine et elle a demandé à ce que je vienne danser avec elle et on a dansé tout l'après-midi. Je crois que c'est ça la richesse de l'engagement, c'est-à-dire qu'on vient apporter quelque chose et finalement c'est nous qui recevons. Donc voilà de belles façons concrètes de s'engager et surtout de prendre goût à l'engagement. C'est pas juste on va en cours, on apprend, c'est on va aider d'autres personnes et... C'est beau, enfin, c'est des belles expériences. En plus, ça apparaît sur Parcoursup, donc pour tous ceux qui veulent faire des grandes écoles ou qui veulent intégrer des universités, enfin des IEP, c'est bien. Des bons souvenirs à Sainte-Marie, j'en ai plein. En fait, cette année, elle est vraiment géniale. Je crois que c'est ma meilleure année depuis l'école. C'est le jour où une maman d'élève m'a dit « Écoutez, monsieur, vous n'avez pas fait une championne de ma fille en maths ?» Mais cette année, elle est venue en cours de maths et elle avait plus mal au ventre. En fin de seconde, on a fait un gros gala caritatif. Ce gala caritatif est un mix entre deux événements qui avaient lieu depuis longtemps, une soirée dansante et une scène ouverte. Il y avait Enzo qui faisait du piano et qui était très talentueux. Léo avec du breakdance qui a enflammé la scène. Voir ces jeunes qui rayonnaient et qui... étaient très très fiers de montrer ce dont ils étaient capables. C'est pour moi un des excellents souvenirs, hein. Il y en a d'autres.